voici le numéro 7, une femelle de Galiléo et Zaneton, très chère au cœur du haras des Capucines, puisque c'est l'élève maison. Et nous avons d'ailleurs, bonjour, Eric Purari qui est là, qui le regarde un petit peu avec les yeux de l'amour, hein, cette sœur de Zagora, Eric. Très important, c'est vraiment une élève maison. Une élève maison, comme sa sœur, comme le frère qui a également été second du Dubaï Derby. Et quelle pression on a là, à quelques heures des ventes, parce qu'elle va quasiment ouvrir le bal, hein, c'est le numéro 7, c'est dur de passer au début, n'est-ce pas? Non, quand il y a un bon cheval, ça ne fait pas énormément de différence. On a l'habitude des ventes. C'est une bonne pouliche, je ne suis pas très inquiet, je pense qu'on aura des acheteurs. Est-ce que tu peux nous la décrire justement physiquement, cette pouliche qui est juste là d'ailleurs, qui est en train d'être visitée là? C'est une pouliche qui est racée. Elle a beaucoup de race, elle a une tête ravissante, elle a des tissus fins, elle est équilibrée et elle a une démarche athlétique, c'est-à-dire qu'elle est à la fois féminine et assez sportive. Féminine et sportive, ah bien, on va espérer que ce soit une championne comme sa sœur. Merci Eric.